Team Replay, tout commence bien. On est certes en négatif, mais on vient d'arriver sur la bénédiction de Mercure. Magnifique! Tous nos artisans ont les matières premières nécessaires pour l'élaboration des poteries, des meubles et que sais-je encore. Et comme l'avait rappelé Groover un peu plus tôt... Ouais bon, c'est qu'une demi-bonne nouvelle, mais c'est pas grave, on est à 100% de paix, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? À part les ennemis. Et donc nous avions commencé la construction d'un temple monumental, et je crois que c'était celui de Neptune. C'était celui de Neptune. Donc la question est actuellement, bah, est-ce que le temple monumental de Neptune va servir de fontaine ou pas quand il sera définitivement fini? Et il nous faut donc une briqueterie. Et il faut beaucoup d'argile. Et on n'a pas d'entrepôt pour stocker les briques. Donc on... Non, on va pas faire un chantier de bois. On va faire un entrepôt avec les briques. De toute façon, je crois qu'il y a du chaume dû. Les briques. Là. Parfait. Parfait, parfait. Allez, petit bonhomme. Voilà, le petit bonhomme qui met les briques. Les moutons qui... se promènent. Apparemment, ça ne dérange personne. Nous sommes en octobre. J'espère que les gens vont aller acheter mes putains de meubles. Je crois qu'on avait à peu près stabilisé les richesses des différents quartiers. Ouais, c'est à peu près stable. Alors pour l'instant, on ne va pas faire de nouveaux quartiers. On va attendre déjà que les finances remontent, mais je crois que tout le monde a tout acheté. Bah moi, je me souvenais pas non plus qu'on était en négatif, et pourtant, nous y sommes. Ouais, donc Longdunum a tout acheté et tout vendu. Mediolanum... ils ont pas tout acheté. Ah oui, mais je crois que j'avais oublié de retirer... Tarako a acheté toute l'huile. Et eux, ils achètent rien. Ils achètent rien du tout, Valencia. En fait, c'est la ville bonus. On a ouvert la route de commerce et on fait rien avec eux, quoi. Ouais, je pense que je peux peut-être vendre un peu de poterie, quand même. On est comment, niveau poterie? 60. Ouais... On n'est pas très riche niveau poterie. Hein. Par contre, ce que je peux faire en attendant, c'est peut-être diminuer un poil mon salaire. Je suis à 9000. Ah, mais... Attends. Ah oui, on stocke le vin. Ah ouais, ok. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. On peut le diminuer en, encore un ch'ti poil. Le vin... On le stocke, on le stocke... Ouais, non, c'est ça. On le stocke. C'est que quand on a... Quand on a une requête, automatiquement, ça le stocke. On n'a pas d'autre choix, j'ai l'impression, que d'attendre de voir bah, ce qui va se passer, mes amis. Niveau briques, une unité sur 28. Mais attends. Ah mais oui, pardon. Oui, je croyais que c'était l'inverse. Je croyais que j'en avais 15 sur 32. Pardon, my bad, mauvais. J'ai mal lu les chiffres. Oh, mon dieu, mais en fait, on pourrait mettre vachement plus de fabriques de vin avec tout le raisin qu'on produit. Pourquoi on peut pas l'exporter? Non, on a du chômage. Non, on a un manque de main-d'œuvre. Ah bon? C'est nouveau, ça vient de sortir. Ah bah oui, mais vous servez à rien, donc... J'avais lu les chiffres à l'envers. Le poisson, on en a 112. Ouais, mais c'est ça qui nourrit ma ville, quoi. Et de la viande, on en a deux, mais pourtant, j'ai pas fait de ferme de porc, si? Ah, mais si, j'ai fait de ferme de porc! Ah, mais si! Ah, mais si, j'ai fait des fermes de porc! Wow! Qu'est-ce qui se passe au niveau des dinari, là? Pourquoi ça s'enflamme, là, tout d'un coup? Voilà, c'est bon! Prenez ma merde, achetez-la! Achetez-la, par pitié, achetez tout! Acheter tout! Là, on va pouvoir créer notre nouveau quartier, mais il faut que les finances remontent! Il faut que l'huile soit achetée! Et là, on va pouvoir aller... Alors, les importations, qu'est-ce que j'importe déjà? Bah, il n'y a que l'argile, en fait, qui coûte, là. Mais pour l'instant, bam! Acheter toute mon huile! Merci! Mais je m'en fous de ta gratitude! Tu me détestes, de toute façon! Allez! Y'a que les olives où je peux pas me permettre de les arrêter, quoi.
Non, revenez. Et ceux qui achètent les meubles là, ils sont dans le coin, ils passent, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'ils achètent. Ils vont acheter. Ils ont acheté. On est sauvés. Est-ce qu'il y en a d'autres qui viennent acheter de l'huile? Si cela ne tenait que oui, moi, bah il vous servait à rien. Ok, il y a de l'huile qui va être achetée encore. Mais l'huile, les olives. C'est bon, hein. Ah, ils achètent les meubles de l'autre côté, maintenant. J'adore venir ici. Les ah, hein. Bon, de toute façon, on a des réserves de poterie. Hein. On a un peu d'argile. Eh ben, la brique, on n'est pas rendu. Hein. Oh, la vache. C'est pour ça que ces temples-là, on va les faire vraiment petit à petit, parce que là... C'est pas possible autrement, quoi. Bon, bah, ça a l'air d'être ok, hein. Nous sommes au mois de mai. Mediolanum n'a pas vendu toute l'argile parce qu'on l'a arrêté. Il nous reste encore des olives à importer. Tarako a presque acheté toute l'huile. Longdoum a acheté tous les meubles et vendu toute l'argile. Ouais, il y a encore Mediolanum qui, du coup, doit nous vendre des olives. Bon, c'est pas plus mal. On va rester comme ça. J'espère que ça va le faire. J'espère que ça va le faire. Parce qu'en attendant... bah en attendant... C'est la merde. On est à moins 20 de prospérité, enfin pas de prospérité, mais de chômage. Mais il manquerait 20 personnes. Et là, nos différentes maisons, bah en soi, ça le fait. Hein. Par contre, qu'est-ce qui me coûte aussi cher? C'est les olives. Est-ce que j'importe autre chose que je n'aurais pas vu? J'importe plus rien. Il n'y a que les olives que je veux pas stopper en guise d'importation parce que c'est trop précieux pour qu'on produise de l'huile en fait. Donc non. Et ben voilà. À peine les bateaux arrivent, ils repartent. On est en juillet. Nous sommes en juillet. Bon, j'ai des sous de côté. Hein. On va arrêter les conneries. Faire un don à la cité, on va se faire un don de 5000, allez. Il en reste un petit peu. Voilà. On va se mettre bien. Histoire de se faire un quartier, même si le programme est d'en faire un autour du temple de Neptune. On pourrait en faire un autre ici. Où il y aurait la pêche qui serait le commerce principal. Et l'apport de nourriture non négligeable. Cependant, il y a un truc qui est très chiant. Ah non, j'ai trouvé. Bah non, la porte de flotte, je le fais ici. Tout simplement. Pourquoi je me fais chier? On va faire un apport de flotte là. Là. Pour commencer. On va l'éloigner un petit peu d'ici. Oh yeah! Oui, oui, je sais. J'ai prévu hein, de construire ce quartier-là, mais le problème, c'est que c'est vachement lent et on a besoin de main-d'œuvre. Donc je pensais faire un petit quartier ici, en supplément. C'est vachement lent! On n'a pas. Enfin, les briques, ça va pas assez vite. Faudrait en faire une autre. Mais le problème, c'est qu'on a toujours pas assez de main-d'œuvre. C'est le problème. Atelier, briqueterie. Oh, l'aqueduc du... Oh non. Bah si, je peux faire ça là. Il a besoin d'un puits, lui, ou pas du tout? Non, il a juste besoin du sable. Du sable et de l'argile.
Faut juste, voilà, augmenter la prod de briques, quoi. La brique. C'est, il manque 13... Non. 23 de briques. Il manque 23 briques, et on a qu'une seule briqueterie. Donc j'en ai construit une deuxième. En espérant qu'on lui donne tout de suite l'argile qui se trouve ici. Mais je doute fort que mes péons soient enclins à lui donner. Bon, la production d'huile se porte bien. On est très très bien. Maintenant, il faut juste que les bateaux achètent tout ça, quoi. Ça, je pense que c'est Valencia. Si cela ne tenait qu'à moi, je ne viendrai jamais par ici. Bah oui, mais... T'as tout acheté, viens pas te plaindre en même temps. Par contre, j'adore la stabilité de des maisons maintenant. On en a chié hein, pour ça. 71 employés. Ah bon? Ah oui, 71, tout à l'heure on était à 30. Il y en a qui sont morts, je pense. Attends, l'argile, j'ai arrêté l'importation normalement. Il y a un problème au niveau du chiffre là. Ah oui, là on en a 4. Oui, là je suis d'accord. Va falloir qu'on fasse quelque chose. On va augmenter aussi la prod de vin. Parce que là, il y a beaucoup de raisins. On peut là. C'est bête parce qu'on pourrait très largement. Ah, ça y est, les importations. Oh la vache! C'est quoi tous ces meubles? C'est quoi cette armée de chaises? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah les 5000 que j'ai donné sont déjà pas... Mais la vache, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi toutes ces chaises? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce que je suis en train de voir, là. Il y a une armée de chaises. Il y a l'armée des 4 pieds. Qui, visiblement, veut conquérir la ville. Ah, ça y est, ça travaille ici, ça travaille. 7 briques. Il en reste 21. Ils vont où? Où est-ce qu'ils vont? Je ne comprends pas où ils vont, là. Ah bah oui, du coup, ils vont tout remettre là-haut. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ennemi lointain! Merde, j'avais pas vu qu'il y avait des échos de bataille. Merde. J'avais pas vu qu'il y avait des échos de bataille. Échos de bataille... Mais ils viennent du même endroit, donc ils vont redéfoncer mon mur. Ça, c'est certain. On pourrait remettre une tour ici. 8600! Ah bah attendez. Attendez, attendez, attendez. Là, voilà, consul. Bon, il est content de ma perf. On va organiser un festival pour les dieux. Mars préférentiellement, bien sûr. Il n'y a pas assez de logements. Ouais. On va quand même être obligé de faire un tout petit truc. On va faire ça. On va faire un carré de 10 sur 10. Voilà. Et on va mettre cette fois-ci les maisons à l'intérieur. On va voir ce que ça donne. Non, pas une route, je veux juste un chemin. Oui, c'est ça. Mais non, mais what the fuck? Route! Je peux peut-être supprimer l'arbre là. Un barrage routier là. Une fontaine qui ferait le quartier. Un réservoir à proximité. Voilà. Avec un marché qui ferait tout le tour. Études d'ingénieur. La préfecture. Un dispensaire.
Parfait. Et on va refaire un autre truc là, bien sûr. Le quai. Il y a un quai qui marche ici. Oh, le bug des chantiers là. Oh là 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 là. On va se mettre un barrage routier ici aussi. Nickel. On va mettre du coup études d'ingénieur là. La préfecture là. Non, mais non! Préfecture! Merci. Et on va mettre un grenier. On va mettre un monsieur grenier ici. Et on va mettre accepté. Parfait. Avec des jardins. Là. Ces paniers sont vraiment lourds. J'ai plein de bonnes choses à vendre dedans. Mais c'est Céline Montsara. J'avais jamais fait le rapprochement. Ici, comment ça marche? Oh, on est à 11. Ah oui, mais j'importe plus d'argile, ça va pas marcher. on va importer... non, importer sans limite. On va essayer d'en importer... 16. Mars est exalté. Ça, c'est bon, ça. Bon, niveau bois, si César veut bien m'en réclamer, il n'y a absolument aucun problème. Ah ah! Oh, les maisons! On va faire des petits temples. Tweet, 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 tweet. Si je mets tous les temples. Voilà, on va faire ça. Ça va ramener du monde, ça va ramener des gens, quoi. Oh, c'est beau. Et en plus, avec un jardin naturel, mais c'est vachement beau. Oh, j'ai l'impression qu'ils n'achètent plus. Ça n'achète plus du tout. Je répète, ça n'achète plus. Il manque 46 employés. Il n'y a pas assez de théâtre. L'état général n'aime pas, d'accord. À la faveur, la réputation s'est améliorée, ok. Oh, mais il n'y a pas de forum. Et attendez, mes petits chéris. Bah alors. Le forum. Bah oui. Quand même. Oh. Le poisson arrive à foison, j'ai l'impression. On peut en mettre qu'un. Oui, j'ai repris les importations. Mais j'ai pas l'impression que c'était vraiment une bonne idée. Attends, est-ce qu'on a assez de sable? Oh merde. J'ai l'impression que j'ai repris les... Voilà, ouais, les importations sont là. Donc on va pouvoir les arrêter de nouveau. De toute façon, ils vont aller les chercher. Bah voilà. Ils sont allés les chercher. On est en janvier et que à moins 97, c'est une bonne chose. C'est moins pire que l'année dernière. Yes! Les acheteurs d'huile vont arriver incessamment sous peu. On est descendu à 53 en prospérité, c'est pas grave. Bah il y a un truc... Possiblement qu'on n'a pas calculé. Parce que dans les importations, il n'y a que les olives, moi, que je n'enlève pas. Et en autre importation, il n'y a pas. Donc il y a quelque chose qui coûte cher. Je me demande si c'est pas les salaires, en vrai. Je me demande en vrai si ce ne sont pas les salaires. On va lui envoyer un petit cadeau, déjà, à César. J'ai... Ouais. Oh, des bibliothèques, il en manque.
Ouais, il y a un truc qui coûte. Mais quoi ? Bon, ça y est, ça augmente, ça augmente. Oula, j'ai peut-être un poil trop dézoomé. J'aime bien zoomer comme ça, c'est vraiment intéressant. Oh bah, niveau... Non, 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 non. Non, par contre, vous, non. Non, 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 non. T'as besoin d'un marché avoisinant, mais vous foutez pas de ma gueule. Oh, ça recommence. Non mais, et les bugs de marché, ça me rend dingue. Hein. Les bugs de marché me rendent dingue. Toi, tu vas acheter que la bouffe. Mais ça va encore poser souci plus tard. Il y avait un bug où les exportations étaient comptées en dépenses. Ah, punaise. Alors attends, chef financier. C'est celui-là, le chef financier. Putain, c'est vrai qu'on n'a pas d'exportation. Est-ce que vous voyez quelque chose de suspect? Ouais, les salaires ont coûté très cher déjà. Construction, frais des édifices. Ouais, divers, j'avoue que je sais pas ce que c'est. C'est quoi divers? Tribu, intérêt? C'est une très bonne question. Si c'est le truc des... Ou alors c'est les festivals? Ça coûterait pas à ce point. Ça coûterait encore plus cher si c'était les festivals. Les festivals, ils sont comptés dans quoi? Ça coûterait pas 2656? C'est combien déjà pour faire une fête grandiose? J'en ai fait que deux l'année dernière. Ce serait pas impossible que ce soit ça. Hein. Parce que là, divers, on a quoi en divers là? Mais hop. Divers, pour l'instant, on est à zéro. Donc il y a des chances que ce soit les festivals. Mais non, mais pourquoi? Pourquoi? Il y a plein de bouffe! Ou alors c'est qu'elles vont vachement loin. Où ils approchent. Les ennemis approchent. Ouais, on va pouvoir mettre plaza et théâtre. J'attendais justement que ça remonte un petit peu. Zwip. Le théâtre. Avec l'école, bien sûr. Ça serait pas mal qu'il y ait un poil de poterie ici. Y a pas de poterie. Pas de poterie, pas de poterie. Ça avance gentiment. On est un peu plus de la moitié. Ils veulent une école ou une BU. Et ben, on va leur donner des BU. La bibliothèque. Parce qu'il manque de bibliothèques. Il y a plein d'écoles, mais il manque des bibliothèques. Voilà. On voit le bibliothécaire qui passe. Maintenant, ils veulent des poteries. Et on va attendre de se stabiliser vraiment avant de faire n'importe quoi. Les briques, ça y va, là? J'attends de voir ce que ça donne ce soir. On va surveiller un petit peu ce qui se passe par ici.
On est en juillet, 3100 et quelques. On va voir à quel moment le portefeuille descend drastiquement. Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un moment assez charnier durant lequel... Alors, les chaises continuent de se balader. Les charrettes avec les chaises n'arrêtent pas de se balader. Ok. On est passé en août. Moi, je me demande si les salaires sont pas... C'est les salaires qui nous coûtent, en fait. Je pense que c'est les salaires. Ça m'étonnerait pas que ça soit ça. Le chat, après avoir détruit mon salon, mis tous les sacs par terre, s'endort sur la chaise derrière vous. Voilà. Après son œuvre faite, il se repose. Je sais pas depuis combien de temps il est là, j'avais pas, même pas fait gaffe qu'il était comme ça. Bon. Ah ouais, et j'ai l'impression que c'est vraiment les salaires en fait qui nous plombent. Ouais, ça coûte assez cher quand même. On va se tenir à carreau. Je regarde, hein, mais normalement, ouais, c'est les salaires qui doivent baisser à ce point. Nos payons, mine de rien, ici, niveau bouffe, ils sont pas à plaindre. Hein. Par contre, le temple, on aurait peut-être dû le décaler vraiment plus par là, pour pouvoir faire un quartier digne de ce nom autour. On est en novembre, on est 7. Ouais, c'est ça, 600 balles en moins. Et je pense qu'il y a le salaire aussi que je me fais qui n'est pas innocent. On a quand même des bénéfices, mais c'est dingue. Après, les dieux sont contentés, donc on peut se permettre de ne pas faire de fête pendant encore un petit moment. Ça y est, les charrettes de chaise... Non, j'allais dire, les charrettes de chaise se sont arrêtées, mais pas du tout. Il y a de la livraison de briques. On a 22 personnes qui veulent bosser. Oh punaise, plus que 6 unités de briques, mais on a plus de... Ouais, c'est ça. On perd 600 balles par mois. À chaque fois. Enfin, environ. Et en janvier, du coup, on va être en négatif. À mon avis, c'est ce qui va se passer. Normalement, les bateaux reviennent. Leur ennemi proche. Ennemi proche jusque où? Ok, on a encore un peu de temps parce que je voudrais commencer à positionner mes différents javelins. Surtout les salaires, quoi. Je pense qu'ils nous plombent. Là, j'ai pas d'autre explication perso. Et là, on a les charrettes qui viennent livrer les olives. Ennemis proches. Non, manque de main d'œuvre. Ok. On nous livre les olives et c'est parti mon cuicui. C'est là toute la difficulté de cette map en fait, c'est que... On va reprendre l'importation d'argile parce que sinon à un moment donné on va se retrouver dans la mouise. À un moment donné on va se retrouver dans la mouise, hein, c'est sûr et certain. C'est bête qu'on puisse pas... Oh non, ça a diminué ici! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Il y a quelque chose qui s'est passé que j'ai pas suivi. J'ai pas vu. On peut récupérer un peu de main-d'œuvre ici. Hein. Ah, invasion imminente! Mais si je sors trop tôt mes hommes de leur tanière, ils vont être déprimés.
Donc il faut pas que je les sorte maintenant. J'aurais dû faire une ferme mais que avec des porcs en fait. Bah il était temps que tu me le demandes, j'ai cru que t'allais jamais te décider. On va faire des ateliers de vin. Parce qu'on a masse raisin. 7000. Tirer 1. Let's go. Ouais, mais y a pas. Mais c'est vrai que ça nous sortirait de la mouise. Si seulement il pouvait y avoir, parce que le vin n'est disponible qu'en vente. Et le problème, c'est que là, même pour me sauver, on est... ouais, on... Je peux même pas vendre le blé, je peux pas, j'en ai plus. Les fruits non plus. Le poisson, hors de question. Le bois, je ne peux pas. Le raisin non plus, alors pourtant j'en ai une sacrée quantité. Les meubles, n'en parlons même pas. Et le vin, bah le vin n'est qu'un portable. C'est toute la tristesse de notre système en fait. Et je commence à plus avoir... Et j'ai plus de sable. Je n'ai plus de sable. Et on va repaisser le salaire aussi pour éviter d'être dans la mouisasse. Tiens, allez, zéro. Parce que Osef. Et ça va me coûter cher cette histoire parce que... Attends, en poterie j'ai combien? Poterie, je suis qu'à 64. Bah le raisin, je ne peux pas. Il n'y a que la poterie. À part exporter la poterie, je vois pas là. Bon, vous, par précaution, on vous met ici. On va vous mettre ici aussi. Et vous, on va vous mettre là. Oh, j'ai pas remis de tour ici. Oh mon dieu. Si, si, j'en produis, mais il y a juste pas de route en fait. Il y a juste personne qui l'achète. Le raisin, personne ne l'achète. T'as même spécifié ici, on ne peut rien en faire. Alors pourtant, j'en ai... Mais non, pourquoi vous vous mettez comme ça? Par pitié, mettez-vous... balayage? C'est quoi balayage, déjà? Ah oui, d'accord, c'est le zbeul, en fait. Ils savent pas quoi faire. Ah, les fruits bah, les fruits, on en produit pas assez. Ah, je vais avoir une surprise. les fruits, on n'en produit pas assez. C'est la problématique. Oui, c'est bien, t'es content. Coucou. Alors... Ça donne quoi les side cuts? Ouais. Oh trop bien! Ah c'est génial! C'est super! Eh ben magnifique! Ouais. Miaou! Qu'est-ce que... Oh! Mon dieu! On va y passer des heures sur celui-là! Ouais, on va remplacer le pan. Punaise, attendez, je me remets dans mes émotions! En vengeance de l'autre jour, c'est-à-dire. Parce que je t'ai offert FF. Ah oui! FF Rebirth! Ouais, bah ça, on va le faire. Je vais le faire en stream celui-là, je pense.
Je me souviens plus du tout de la fin, en fait. Oh la vache! Oh mon dieu, attendez! C'est trop bien! Ah ouais, on va retirer les cochons. Et on va tout remplacer par du fruit. Hop! Ah oui, mais toi, faut que tu t'y habitues plus, du coup. Oui, oh, tempête en mer, il manquait plus que ça. Allez, plein de vergers! Oh, attendez. Oh non, le petit carré! Le petit carré qui fait suer. Là. De toute façon, je crois que les exportations, elles sont... Oh putain, faveur 85. Magnifique. On augmente. Ça augmente. On est à 2922 grâce à l'exportation de la poterie. Le problème, c'est... Oh ! Oh bah parfait ! Yes ! Yes, yes, yes ! Oh, Cérès ! Je l'adore. On importe l'argile, on arrête l'exportation de poterie pour qu'il nous en reste quand même un poil. Ça a permis de se stabiliser bien. Et là, on va plus exporter tous ces fruits. Alors, le blé, on en a pas des masses. Hein. On en a plus du tout. Et les fruits, bah les fruits, faudrait interdire à tous les marchés d'en vendre, en fait. Oh quoi, j'ai pas vu. Merde. J'ai pas vu l'alerte, c'était quoi l'alerte? Tempête monumentale terminée. Hein? Non, j'ai lu tempête. J'ai mal lu, c'est ça? Temple! J'ai lu tempête monumentale. N'importe quoi! Bon, l'eau. La carte de l'eau. On nous a vendu de la mauvaise cam, là. C'est censé être une fontaine. Or là, on a juste l'influence des réservoirs. Je crois qu'on nous a menti sur la marchandise. Hein. On nous a raconté des cracks, là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Là, je... Bah, j'en ai déjà supprimé, en fait, des ateliers d'argile, parce qu'il y en a quand même pas... Il y en a plein. Il y a plein de... Voilà. Il y a plein d'ateliers. Il y en a trois, là, qui sont pas en fonctionnement. Et je ne comprends pas pourquoi. Parce que je pense qu'il y a encore la briqueterie qui fonctionne. Mais comme on va avoir... Oh, pff, et j'ai pas envie de me casser la tête. En fait, là, ce qui se passe, c'est que... J'ai l'impression que quand on a installé le monument, ça nous a mis un carré bleu comme pour nous dire qu'il y avait de l'eau autour. Mais... Ah oui! Ok. Accorde plus 1 de portée aux fontaines... Ah, c'est ça. Neptune accorde plus 1 de portée aux fontaines et puis plus 2 au réservoir. Le service des eaux requiert moins 50% d'employés. Les navires marchands voyagent 25% plus vite et les maladies dans les maisons chutent fortement. Ça rapporte 22 d'ébène par mois. Les flots s'apaisent lorsque Neptune dépose son trident sur les mers agitées et lisse son visage sillonné. Déjà Triton, à son appel, apparaît au-dessus des vagues, sa robe tyrienne ouvrant ses épaules d'azur et dans sa main, une conque cave, longue et recourbée. Oh! Accorder une épithète au temple. Alors, consacrera définitivement votre temple à un aspect de sa divinité, conférant au prêtre un pouvoir divin. Cela vous coûtera 1000 dinarii. Temple de Neptune et Kester. Neptunus et Kester. Les temples forment des auriges pour l'hippodrome. Et temple de Neptunus Odiutor. Les prêtres augmentent la capacité de logement de 5%. Le temple monumental fait office de réservoir rempli et fourni de l'eau. Ah oui! Oui, 1000 fois, oui. Yeah, on a une fontaine. Alors attendez. Oui, c'est bon. C'est ça. C'était donc cela qu'il fallait. Oh, trop bien. Alors maintenant, va falloir tout refaire. Il va falloir tout remodeler.
Va falloir construire un quartier autour et décaler. Oh pardon, ouh, la relâche, les aqueducs. Je vais faire des travaux pendant le temps de pause là. Alors attendez, on va retirer ce chemin pour l'instant. Voilà, pour commencer. Alors, Cérès pour les pro... Moi, je pense que en priorité, je mettrais Cérès, moi, perso. Après, il y a Mars. Il y a Mars aussi qui pourrait être ultra utile contre les invasions d'avoir un temple monumental pour lui. J'imagine, en tout cas. Enfin, moi, je verrais plus ça comme ça, en fait. C'est vrai que là, je me suis pas trop renseignée sur sur ce qu'apportent les autres temples monumentaux. Pourquoi ça veut pas, là? Qu'est-ce qui se passe? Y'a rien. Et pourquoi tu veux pas? Pourquoi ça veut pas? Pourquoi tu veux pas, nom d'un chien? Ça ne veut pas. Ah bon? On va enlever ça et ça pour commencer. Parce que dans le coup, il va falloir qu'on construise le quartier autour. Lui, on va le décaler. Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as peu de terres cultivables, mercure et pour l'industrie. Ouais. C'est vrai, ouais. C'est vrai que mercure, ça serait pas trop trop mal. Non, je vais mettre une partie... alors attends. Dans la refonte de ce qu'on veut faire. Oui, oui. Faudrait qu'on transforme tout en avenue, ouais. Mais déjà, dans la réorganisation, on va mettre mi-brique. Mi-brique et mi-argile. Et celui-là, on va le vider. Ça, par contre, c'est de la pierre. Et la pierre, c'est utile. Donc déjà, on va faire ça. On va retirer la bétonnière aussi. Avec le puits. De toute façon, on a plus de... Oh putain, j'ai plus de fric. Merde! Vous m'avez pas déjà tout acheté, là, j'espère. De toute façon, je me suis mise à zéro. C'est ça, je suis à zéro. Il est enthousiasmé. J'ai fait une connerie. C'est deux cases. Ah ça y est, il y a des gens qui m'achètent des trucs. Oh, punaise, ouais, j'avoue. Ou alors faudrait qu'on fasse des bouts de route en... Ah ah. Oh oui. Oh merde, ils sont démoralisés, mes gars, là. Pourrissez-les! Pourrissez-les! Vite! Oh merde, il va falloir que je fasse une porte en fait. Dépêchez-vous! On va mettre les moins démoralisés ici. Non mais... Pitié, pitié, pitié! Oh la vache! Vite les renforts! Les renforts! Oh punaise, non, merde! J'ai pas assez anticipé.
J'ai clairement pas assez anticipé. Ils sont où les autres? Ils sont là. Vite! Oh les sprites, mais putain, mais... Vous pouvez pas se réveiller avant? En vrai? Et vous, vous faites quoi? Vous jouez aux cartes? Mais bon sang! Ce merdier. Il y a les lions qui passent entre eux. Wouah! Des logements sordides et des bidonvilles empêchent l'immigration. Oui. Allez, tout le monde rentrez chez vous. Oh, bon sang de bois, bon sang de bois, bon sang de bois, le temple de Mars. Il a fallu que les barbares touchent au temple de Mars pour qu'ils daignent enfin se manifester. C'est dingue. On va tout refaire. Temple de Mercure et... Temple de Neptune. Ouais, j'avais fait le tout. Hop, on va remettre les dieux, déjà, pour commencer. Petit temple, on a dit... C'est Mercure qui manque. Ouais, non mais clairement, là j'ai voulu tester un truc et je me suis planté. Alors je crois que cet entrepôt-là, c'est... Oh non, merde! Non, 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 non. Non, 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 vite, 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 la croix. Oh zut. On va mettre entrepôt. C'était l'entrepôt meubles et poterie. Voilà. Eh ben. J'aurais dû mettre en pause, effectivement. Mais non, apparemment j'ai décidé de ne pas faire ça comme ça. On va refaire le mur. Déjà celui-là en priorité. L'autre il pourra peut-être attendre. Ah, c'est 4% de chômage, on peut en mettre deux. On va même en mettre une ici. Tiens. Parce que là il en manquait là. On va augmenter le chemin. Voilà. On va refaire juste le mur et on fera les tours dès que possible. Il y a encore des gravats que j'ai pas vus, c'est ça? Tout à fait. Bah, finalement, la destruction des différents bâtiments, ça a pas tant perturbé que ça, mon quartier, hein. Hop, on réaugmente à 80 et c'est parti mon cuicui. Sauvegarder. Parfait. Le corps de... J'avais remis un corps de garde? Non, je crois pas. Hein. Si? Parce que le corps de garde, c'est bon. Non, je crois pas que j'avais remis quoi que ce soit d'ailleurs à ce sujet. Ah ça y est, tous mes ateliers de poterie sont en fonctionnement. J'ai arrêté l'exportation de poterie, soit dit en passant. Alors, allez, on va se... Oui, donc c'est ok. D'accord. Ah oui, une université, faudrait une université en plus. Ouais, forcément, on a des... Bah oui. C'est forcé qu'on ait des pertes cette année, puisqu'on s'est fait attaquer. Donc oui, c'est logique. Bon, par contre, les producteurs d'huile, là, vous y allez quand, là? C'est l'entrepôt qui est mal mis, je pense. Hein. Attends, mais... Mais oui, il est entre deux chemins, mais vraiment, quoi. Faudrait inverser les places... Ou alors, non, ça, faut que je le mette direct derrière. Par contre, c'est quoi, ça? C'est le camp de travail. Bah, on peut le retirer aussi, lui, là. Il sert à rien, là. Je crois que oui, que j'ai mis l'option des commerçants qui peuvent communiquer avec... gestion de la cité, peut-être, c'est... autoriser les magasins des greniers à évoluer hors route, doubler la capacité de zoin. Autoriser l'exportation depuis les greniers. Ouais. C'est bon.
C'est ici, preuve à l'appui, ça a été coché. Bon, par contre, j'aimerais bien qu'on me... J'aurais aimé vendre le bois, perso. Le bois, ça aurait été tellement bien. Alors, on va faire la carte, on va faire pause. J'ai dit pause. Et on va faire la carte des commerces. Ce qui est nourriture. Voilà, comme ça on va mieux voir les marchés. Et on va demander à ce qu'ils ne vendent pas de fruits. Le blé, je laisse. Bon, de toute façon, il n'y a pas de viande. Oui, c'est vrai. Il y a plus de chômage maintenant que le... Ouais, ouais, j'avais remarqué ça. Bah, de toute façon, ils vendent pas ça, ici. Hop. C'est vrai que, par contre, on a beaucoup plus de poissons. Hop. En fait, on est obligé de mettre des marchés absolument partout, hein. Mais genre, comment ça se fait qu'ils ont pas assez de... Pff, il manque de nourriture, mon oeil. Bon, là, oui, je veux bien vous croire, parce que le grenier est vide. Mais faut pas exagérer non plus, quoi. Ah oui, tous les marchés, par contre, sont de l'autre côté. Puis on va mettre à fond des quais. Non, bah non. Ok. Et donc ici. Voilà. Et puis on va mettre plein de quais. C'est quoi toi, ton truc ? Ok, donc tu es vide. On te supprime la gueule. Et vous deux aussi. Maintenant, il faut qu'on transfère... Il faut transférer la pierre. Et la pierre, bah, on va la transférer genre ici. On peut largement la transférer là. Ok, et... Tac. On vide. Et vous deux, bah, vous ne servez plus à quoi que ce soit. Et on va faire un chemin donc, tout autour. Parce que le souci en fait là que j'ai avec l'aqueduc, c'est que je vais pas avoir la place de mettre des commerces en fait. Merci. Je suis en déficit. I am déficitaire. On va envoyer un petit cadeau à César. Un manuscrit. Voilà, que pas quelque chose de très grand, quoi. Juste histoire qu'il soit pas furibond contre nous, quoi. Bon, j'espère que la pierre, ça va se transférer vite fait, bien fait. Mais c'est plus pour les fontaines, du coup, non? Ouais, donc en fait, c'est bon, ça va passer. Donc en fait, c'est bon. C'est bon, ça va passer. Oh là 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 là, pourquoi ça diminue? Pourquoi ça diminue? Pourquoi ça diminue? Ça, c'est l'importation d'argile. J'en étais sûr. C'est l'importation d'argile qui fait que... Et vous, vous faites quoi? Ah, ils achètent les fruits, ça y est. Ok. Est-ce que c'est quoi? Bah, c'est Valencia. Ouais, non, mais c'est ça, c'est Valencia. Oh, mais la faveur, putain, qui est redescendue. Oh.
Pourquoi c'est vide de poterie ici? Je vais mettre des ateliers, moi. Pourquoi je suis à 42? Bah oui, maintenant que... qu'il y a Valencia qui s'arrête, bah il bloque toutes les charrettes. C'est quoi, ça? C'est la caserne. Je m'en fous. Où la caserne? Caserne! Là! Et on va bouger l'entrepôt parce que j'ai l'impression qu'au niveau du chemin. Au niveau des chemins, ça coince. Je veux voir par où il passe. Je leur demande de vider l'entrepôt, mais il y a un souci. C'est que... Attends, mais t'es passé par où? Il passe par derrière, c'est ce qu'il semblait. Ok. Alors la route elle est coupée là, ouais, c'est bien, ouais. Allez hop. Non, on va arrêter de faire des conneries. On va arrêter de faire des conneries, on va laisser ça comme ça. Je n'y touche plus. Bon, la question on finit Massilia, je pense qu'on a vite résolu le problème. Hein. Ça va pas être fait du jour au lendemain. C'est quoi ça? On va faire accepter encore les 16 de poterie et les 16 de meubles. Hein. Raccourci pour les marchands? Eh ben on va faire. De toute façon, là on est pas au début de... Ah bah ils passent dans le sable, ils en ont rien à faire. Regarde où ils passent. RAF. Rien à foutre. Donc bah finalement, j'ai pas l'impression que ce chemin serve vraiment à quelque chose en fait. Ouais non, il sert à rien. Ils font autre part. Ils passent là. Ils en ont rien à foutre. Rien à foutre. Après, voilà, ça transmet. Voilà, parfait. Après, si ouais, pour les ateliers de derrière. C'est pas grave, on va la refaire. C'est pour les ateliers de derrière là que ça sert à quelque chose. J'aurais dû un peu plus les coller, tant pis. Mais pourquoi les marchands sont... Mais si, j'avais remarqué, Mais ils sont tout petits aussi, c'est des pixels, je vois pas moi. Et du poisson, on en a quand même pas mal, mais il y a encore des maisons qui manquent de nourriture. Putain, Valencia qui bloque le chemin, quoi. Je vais bouger le port à un moment donné aussi, je pense. Hein. Relier la route? Bah, au final, pas tant que ça, puisqu'il y a deux côtés de l'entrepôt, là, donc c'est ok. Hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je constate, hein. Mais maintenant qu'il y a Valencia qui achète les fruits, bah pour acheter l'huile, bah ça va prendre plus de temps. Ah non, ça c'est un autre bateau de Valencia qui va à perpète les oies. Oh punaise. On va s'en sortir. Un jour. Un jour on va s'en sortir.
Bah non, parce qu'il y a une route là, enfin... Ça passe... Là, il passe plus par le fort, vu qu'il y a le chemin là qui s'arrête direct à l'entrepôt, en fait. J'ai pas l'impression, en fait, qu'il y ait de quelconque ralentissement, en fait. Attends, mais elles vont où, mes charrettes, là, pour aller chercher les fruits? Il y a trop de monde, j'arrive pas. Un empilement de chaises. Faudrait deux ports. Faudrait retirer les deux quais là et mettre un autre port à la place. Est-ce qu'il n'y a pas de fruits ici? Ah non, il y a que de la poiscaille. Mince. Attends, où? Quoi? Merde. Elle est passée où là? La charrette. Où sont les fruits? Montrez-moi les fruits. Y'a trop de... Oui, c'est bon, je les ai repérés. Là, 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 là. Ils sont là. Ils sont là. Par contre, ouais, il faudrait faire un port spécifique pour Valencia. Et l'autre pour l'huile, tout ça. Et je pense qu'il y a des gens qui achètent des meubles aussi. Hein. Oh, punaise, ça m'énerve. Vite, le port. Le port, ils font un port. Les docks. Le chemin! C'est... Oh punaise! C'est remonté d'un coup! Vite les docks! Les docks! Vite les docks! Voilà. Et on refait... Zut. La préfecture ici. C'est pas grave parce que de toute façon, dès qu'il y en va en refaire. Voilà. Ah, ça va mieux tout de suite là. Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup plus vite. Je suis passé de moins 400 à 900. Oui! C'est bon! C'est bon! Et nous sommes en avril. Ça me rassure. Prenez tout! Achetez tout! Achetez absolument tout! Ah! Ça fait du bien! Un tel soulagement! Par contre, les fruits, va vraiment falloir faire en sorte qu'ils soient à côté. Parce que là, le poisson, on en a beaucoup. On en a beaucoup de chez beaucoup. Ah, c'est... Oui, je pense qu'il y avait de ça aussi, ouais. Il y a 600 fruits ici! Prenez tout! Prenez tout! Les charrettes! Tiens, les voilà. Toujours par trio, elles vont... Oui! Eh bon, elles ont acheté les fruits. Par contre, il y avait quoi ici à la base? Ah, ok. C'est quoi? Pas un seul. Il y en a pas un seul pour l'instant. Est-ce que le blé, ça vaut vraiment le coup, en fait? Et pourquoi mon vin? Bah parce que il n'y a pas assez de place. Bon, bah... En fait, l'industrie du raisin est bloquée parce que il n'y a plus de place. En la faveur de César, putain qui... Pardon. Je deviens vulgaire. Il m'agace. Il m'énerve. Grave. Il m'énerve grave, ce mec. Il va falloir qu'on s'occupe un poil quand même de choses. Bon, l'argile, ça a l'air d'être parti. C'est quoi ton problème à toi? Tu fais quoi? Pourquoi le blé? D'où tu viens, toi? Tu sers à rien, en fait. Je comprends pas à quoi il sert, lui. Pourquoi on l'avait mis à la base? Ça remonte à trop loin. Je te supprime. Parce que pour l'instant, je vois pas l'intérêt de ton existence. Parce qu'après... Et pourquoi l'olive ici? J'avais remis des charrettes pour les transporter de l'autre côté. Ah, c'est qu'il y en a qui me livrent les olives ultra tardivement.
Ça me fait penser, on n'a pas fait de fête depuis longtemps pour les dieux. Bon, je pense que Neptune, il ne cassera plus la tête. Attends, 1524... Pff, non, mais vas-y. Faut qu'on arrête avec les olives de l'autre côté, je pense. On va voir un petit peu ce qui se passe, là. Même si j'avoue quand même que j'exporte... Putain! J'exporterais bien le... Bon, on va exporter un peu de poterie. La poterie, quoi qu'il arrive. Putain, on peut exporter le poisson dans la masse, quoi. Le blé, on peut l'importer. Donc, est-ce que ça vaudrait le coup, vu qu'on a une grosse production de poissons et que ça va pas s'arrêter, est-ce que, déjà, on n'exporterait pas une partie de la poterie? Exporter à partir de... 32. Pour garder l'équivalent d'un entrepôt plein. Alors, le blé, on ne peut que l'importer. Par contre, le poisson, on peut en exporter quand même un petit peu. On est à 150. Est-ce qu'on se mettrait pas à genre 90? Parce que ça... Ouais, non, ça fait beaucoup. Parce que... Attends. On va juste voir la carte de l'Empire avant de faire n'importe quoi. Le poisson... Valencia qui en achète. Ils en achètent 15. Donc oui, 96. Autant mettre 96, oui. Attends, oui, merci pour le rappel. Je n'ai pas de cerveau. De toute façon, ils en achètent que 15. 135. Bon, allez. On va arrêter de faire des conneries. Voilà. De toute façon, ils vont aller les chercher directement dans les greniers. Donc on peut faire un peu de ça. La poterie. Ouais. Et vu qu'on a du chômage... Alors. On va s'occuper de faire d'autres pêcheurs ici. Parce que, bon, bah Marseille, quoi. C'est Marseille, quoi. Le poisson, tout ça. Quand même. La faveur de César, en vrai, je m'en fous. On peut largement la rattraper. Non ! Erreur monumentale ! Ah, mais c'est 100 dé... C'est 100 dinari ! Ah, quoique, on a de quoi faire. Grosse avenue pour les poissons ! J'ai remis la préfecture de l'autre côté ? Oui. Ah, ça va un petit peu mieux. Bon, par contre, le vin est toujours aux fraises. Et du coup, ici, il n'y a plus du tout de fruits de mis dedans. Donc, on va l'ouvrir pour le raisin. Moi, je vois pas de quoi faire. Je vois pas quoi faire d'autre, en fait, là. Et on est à 2400, on est en décembre. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Non, les bateaux... J'étais prête à me dire, est-ce qu'en mettant une route plus grande, on a des bateaux plus gros? Mais pas du tout. Pas du tout. Alors, ce qu'on va faire, ici même, mesdames et messieurs... Donc, on a dit... Non mais je sais que certains points sont, trop éloignés d'une route. Mais point de panique. Bon, je vais faire un peu
Mais bon, pourquoi je me suis arrêté là? Quel est l'intérêt de faire ça? On peut mettre des maisons absolument partout. Voilà. Oh là là, l'erreur fatale. Ouais, donc le barrage routier, bah, je suis obligée d'en mettre un là. J'ai pas le choix. Voilà, et on met tous les services autour. Parfait. Et on va devoir mettre deux ou trois marchés, je pense. Facile. Je vais même en mettre 4. Et on va tester. C'est parti mon kiki. Voyons voir. Je t'emmerde. Voilà. Non mais merci. mais merci beaucoup. Je n'ai rien dit, c'est César qui m'emmerde là. Ça y est, il y a des... Tu es Napoléon, d'accord, je mémorise. Napoléon. Ouais, non, on n'a pas vraiment un Bonaparte. Hein. Allez, venez. Oui. Je crois. Oui, effectivement. Tu as raison. Alors, carte de l'eau. Ah, il faut des... faut peut-être des fontaines, en fait. J'ai l'impression qu'il faut quand même des fontaines. Ah ouais. C'est un peu la merde, quand même. Ah, c'est un peu merdique. Alors, oui, mais la chaleur ne fait pas tout. Parce qu'il faut aussi une bonne isolation. Et théoriquement, notre appart n'est pas bon parce qu'il n'y a pas Napoléon sans bras. Il n'y a pas de... On a une isolation de merde. Donc on ne peut pas avoir un bon appart. Ça n'est pas possible. Alors... Vous avez de l'eau ou vous n'avez pas d'eau? Je comprends pas. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Faut vraiment... En fait, faut une fontaine. C'est ça. Putain. En fait, ça sert à rien. Il y a besoin de fontaine autour. Bon. Bah, le test est fait, mais par contre, c'est beau. Faut dire ce qui est. C'est magnifique. C'est très très beau. C'est magnifique. Why not, hein. 44, la culture. Putain, mais... J'ai une ville de débile. J'ai une ville d'inculte, littéralement. Oui, c'est un réservoir, c'est pas une fontaine, mais c'est trompeur quand même, hein. Oui, réservoir rempli. Oh, punaise. Mais c'est pas grave, parce que, comme j'ai dit, c'est quand même classe. On est à presque 10 000 dinari. Du jamais vu. C'est du jamais vu dans notre histoire. Alors vous faites quoi? Bah non. Bah non, Gérard. Te fous pas de ma gueule. Oh, chute. Le dernier point, mais alors vraiment... Le point final, quoi. Oh, punaise. Non, non, et je vais faire une autre sauvegarde. Je vais mettre ma 6. Ma 6, parce que quand même, on a franchi un cap, là. C'est pas rien. Bah, export fruits et surtout poterie. Bah la poterie faudrait... Oh merde. Où cela? Ah. Ah, c'est que les routes, ça coupe tout en fait. Vous n'y allez pas. Bah le poisson en vrai, comme j'ai pour projet là, comme j'avais dit plus tôt, enfin il y a quelques temps de cela.
J'ai l'impression que c'est une route à part en fait. Ça, non ouais, ça marche pas. En fait, on est obligé de tout faire en route parce que voilà. Je vais en faire une cité poissonnière. Et on va faire un barrage routier ici pour éviter que le chemin soit trop long pour ceux de là-bas. On va avoir de la poiscaille à donf. Alors, exporter fruits plus la poterie. Le blé. En fait, le blé, j'ai envie de le supprimer pour augmenter la production de fruits. Et éventuellement, on l'importera plus tard. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà. Je préfère largement augmenter la production de fruits. Ouais. On va faire ça comme ça. Amphi et arène. Ah oui. Alors, attends. Alors, on a l'amphi. Non, on a le théâtre, on n'a pas l'amphi. Donc, on va faire l'amphi. Et on a dit quoi? L'arène. Arène, et on va faire la même chose de l'autre côté. Mais vous vous foutez de ma gueule, vous? Quoi? Il s'est passé quoi là? Non mais dans mon jeu là, mon temps s'est mis à régresser mais tout seul. Pourquoi zéro employé? La route d'accès. Merci. J'avais surpris que les gens devaient marcher sur des cailloux pour venir bosser. Mon mauvais. Désolé. Oh misère. Alors qu'est-ce qu'ils auraient besoin déjà? Ah oui, c'est de la distraction. On va laisser cette place là pour voilà. On va mettre l'amphithéâtre ici. On va mettre également le barbier parce qu'à un moment donné il va être très demandé. On va faire je crois que niveau éducation aussi hein, il manque pas mal de trucs hein. Ok, ça devrait le faire. Puis du coup, ils ont pas besoin de temple, puisque bah, y en a un en plein milieu, en fait. Vous avez pas de quoi vous divertir? Je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Oui, c'est une très bonne question. À part te dire que je suis conne, je n'ai pas d'argument. Je n'ai absolument aucun argument. Ce sera l'occasion, ouais, voilà, de mettre... Oh, tiens, oui, je sais. Ce qu'on peut mettre... des hôtels. On peut mettre un petit hôtel. On va essayer de faire des trucs au niveau des dieux. Même s'il y a toujours les autres temples monumentaux. C'est pas l'oracle. Non, c'est pas un mausolée. Je vais y arriver. Mais le larère. Non, ça, c'est un larère. C'est pas du tout un hôtel que j'ai mis. Voilà. Hôtel de Cérès. Tac, tac, tac. Voilà. Un petit hôtel chacun. On est à plus de 8000 péons. On a atteint cet objectif-là. La culture descend. Comme une flèche. Qu'est-ce qui se passe? Un peu faible pour les théâtres, oui, on va remettre des écoles. Mais j'ai plus de main d'œuvre.
Alors, au final, il y avait encore de la place ici. Une école ou une bibliothèque? Qu'est-ce qui manque le plus? Les deux. Le blé, ça coûte cher à importer? Ça, c'est le réfectoire. Ouais, voilà, à chaque fois en fait que je refais d'autres. Quoi? Ça recommence? C'est quoi votre problème à vous? Comme ça, t'as pas accès à un point d'eau, pourtant j'étais certaine d'avoir mis une fontaine. Voilà! Ils veulent des termes, et bah mettons des termes. Et je pense qu'on va se faire un... par sécurité, un petit quartier là, non? De toute façon, voilà, ça évolue tranquillement. Mais comment ça, t'es révolutionnaire, toi? Mais ferme-la! Il se barre, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, notre petit révolutionnaire, là? Il y a deux préfets qui le poursuivent, là? Voilà, c'est bon. Il avait aucune raison de sortir de sa tanière, lui. Vraiment aucune. Ouais. Mais j'ai pas assez de main-d'œuvre. Il va falloir augmenter les logements. Vous voulez vous divertir? Ah merde, l'arène. J'ai pas mis l'arène. Mettre une arène... là. On est de nouveau en manque de main. C'est incroyable. Pourquoi vous avez diminué, vous? Ah merde, y'a plus de bouffe. Eh ben, moi je collerai l'importation de blé, perso. Vous avez pas accès à une école, merde! Eh bah dis donc! Oh bah les sous, ouais, ça va beaucoup mieux! C'est en ça, moi, que... Franchement, là, je collerai l'importation de blé, quand même. Histoire de... Par contre, le réfectoire, j'aurais clairement dû le mettre ici. Merde, c'est pas ça. Le réfectoire, ça prend quelle place? Ouais, ça bouffe pas mal de place, quand même. Combien le blé à importer? Mais je veux voir les prix. Les prix. C'est le truc qui coûte le moins cher. J'aurais quand même bien envie de l'acheter. Parce que là, on a quoi? On a 200 de blé. Ok. On va faire un grenier de blé ici. Mais exclusivement du blé. Histoire de faire en sorte que tous les quartiers aient à bouffer. De toute façon, Valencia, ils vont pas nous en vendre non plus des pelletés. Hein. Valencia, 25. Même au-delà. Par contre, il va falloir qu'on s'occupe réellement de la culture. Là. Thank you.
Et depuis donc le grenier de blé, on va en transporter tout en haut. Oui. Alors, on avait dit quoi? Temple monumental pour. Tiens, on peut en faire un là. On peut en faire un ici. On avait dit Mercure, je crois. Pour Mercure. Pour Mercure. Tiens, derrière pour faire genre le temple mystérieux, tu vois. Puis comme ça, on va pouvoir faire nos entrepôts de pierre et compagnie, là. Donc, il y a besoin de quoi? De la pierre. Faire. Camp de travail. On va le mettre ici. Camp de travail et guilde des architectes. Déjà, ils vont aller chercher la pierre, qui est juste à côté. C'est vraiment pas loin. Et pour le reste, on verra après. Bah, je crois qu'en pierre, là, on est bien. Après, non, si, ouais, il y en a que 13. Donc, à un moment donné, il va falloir en réimporter, je pense. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est vrai qu'à proximité, là, il n'y a pas d'entrepôt de meubles ni de poterie. Il est loin, le machin. Alors, la prospérité a augmenté. La culture a descendu encore. Et pourquoi ça descend? C'est encore les théâtres. On s'était pas fait un truc avec... On s'était dit que... Ah, j'ai... Insurrection populaire! D'où ça sort? C'est bon? Non, c'est pas bon. Oh bah carrément! Carrément! Et Mars? Mars, non? Non. Bordel. Je me suis pas remis mon salaire, moi, perso. Allez, on va mettre proconsul. On va lui envoyer un petit cadeau. Voilà. Ça, c'est bizarre que l'eau soit toujours effective. Ah oui, donc cet aqueduc qui sert vraiment à rien, quoi. Ah ouais. Pourquoi j'ai mis ça là, en vrai? Voilà, on va gagner de la place. C'est parfait. Alors, attends, on va reprendre ça incessamment sous peu. Attends deux secondes, je vais refaire le mur d'abord. Les tours ici, elles servent à rien. Par contre, on va remettre là. C'est ça qui a fait qu'ils ont défoncé le mur. Alors, pour une simple insurrection populaire, ils ont défoncé le mur parce qu'il manquait les tours. Je ne l'ai pas refaite. Par contre, j'en profitais pour supprimer un peu de ça, là. Donc on a dit un raccourci vers l'entrepôt de meubles avec un barrage. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Je viens de te voir là, dégage. Un raccourci vers l'entrepôt de meubles avec un putain de barrage. Oh putain, mais qu'est-ce qui s'est passé là, ici? Mais c'est la fête! Alors, on a dit ça.
ici, là, derrière. C'est bien ça, hein. Donc on peut faire des petites routes pour les maisons autour du temple. Oui, aussi. Mais du coup, j'ai fait un autre raccourci. Oui, tout le monde se barre. À moins que je mette un atelier juste ici, en fait. Qu'il y ait au moins un truc de poterie à côté, quoi. Après, du bois, on en a beaucoup. On en a un poil beaucoup, même. Et j'avais dit qu'on allait importer le blé. Mais bon, c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez aussi joyeux, vous? Je comprends pas ce qui s'est passé, là, pour leur part, parce que normalement, ça aurait dû être tout le quartier. En toute logique. Non? Ils ont eu du vin. Non, les sous, c'est relativement stable. Attends, le vin, ouais, tiens, La cité se porte bien. Ah, ok. Il y a vraiment un problème de main-d'œuvre par ici. Comment avez-vous des fruits, vous? Attends, est-ce que c'est pas par le grenier? J'ai oublié, c'est vrai, de donner le refus au grenier. Mais bon, eux, ça, la question se pose pas, mais. Bah, y a forcément du vin, c'est vrai, mais j'en vois pas. Il y a de l'huile, par contre. C'est peut-être l'huile. Mais c'est bizarre. L'argile, je peux aller à fond, en fait. C'est pour ça que ça n'avance pas. Voilà. Importer sans limite, on peut se le permettre, en fait. Sans ça que ça n'avance pas. Il n'y a plus de poterie. Et du coup, on va arrêter les exportations de poterie. Cela va de soi. Bah, de toute façon, on avait réglé pour... Bah, voilà, à partir de 32, mais... Pour l'instant, hop, on va retirer ça. Oh! Oh, quoi encore? Hein? Mais pourquoi? Il y a pourtant un préfet, là. C'est étrange. Quoi encore? Ah bon? Bon bah... Oh là! Bon tiens, on va en profiter pour dire que la ferme de blé c'était un incident diplomatique, hein, et que bah... C'est dommage, hein, y a des fruits qui ont envahi le champ de blé. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, subitement tout flambe là, alors que depuis tout à l'heure, il se passe absolument rien quoi. Il se passait absolument rien. Allez, débarrage. Ferme. Fruit. Un incident diplomatique ou un incendie problématique? Je ne saurais dire. Je ne saurais dire lequel des deux est le plus prégnant. Je ne sais pas. Des pierres, on n'en a plus. Donc, logiquement, il en manque. On va pouvoir... Ouais, on va pouvoir importer de la pierre. On en importera 8. Voilà. Pas plus que ça. Bon, là, c'est sûr, ça a baissé. C'est logique.
Parce que j'ai augmenté l'importation d'argile et on n'exporte plus de poterie. Donc c'est logique que ça baisse. Bah oui, la poterie, forcément. C'est toujours les théâtres qui manquent à l'appel. Il me semblait pourtant qu'on s'était fait un endroit où il y avait beaucoup de théâtre. Ah oui! Ah, peut-être qu'ils sont morts dans l'incendie. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils sont pas morts dans l'incendie. Là, les finances vont quand même remonter un petit peu parce que... Oh punaise, ouais, l'argile, on en a plein, on en a plein. Faudrait un entrepôt d'argile à proximité, là. Ça serait pas mal. Ça va remonter tout seul, j'ai envie de dire. On va pas forcément... On va juste peut-être faire des petites fêtes pour les dieux. Ouh, oui, ça fait longtemps. Oh, ça fait longtemps. Oh, mon dieu, ça fait longtemps. Bah oui, maintenant que Neptune il a son temple, il va pas nous faire chier quoi. En fait, je pense qu'une fois qu'on aura fait tous les temples monumentaux, les dieux seront peinards quoi. Il y aura plus rien. Il nous reste un peu de briques aussi. Est-ce que là, je peux pas faire un... Va chercher les biens, parce que là, il y a besoin. Voilà. Pour qu'on ait au moins un petit pôle de poterie à côté, quoi. Niveau pêche, on peut plus rien mettre. Là, on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire. L'équivalent des sanctuaires, bah, je crois que c'est les hôtels, hein, qu'on a déjà mis ici. C'est ça. Mais... Autrement, ouais, c'est les hôtels, je pense. Pour moi, ça serait les hôtels. Attends, mais eux, ils ont accès à l'huile, c'est dément ce truc. Putain, ça évolue bien. La grande allée pleine de statues. Ouais. Bah on est... En tout cas... Mince. Bah pour celle-là, ça a l'air d'être parti, mais bon, l'allée est pas si grande que ça, quoi. C'est... ouais. Et le souci de la prospérité, là, qui n'augmente pas... Ouais, ça descend en continu, là. Et mon argile, là, il est allé me la chercher ou pas? Et la pierre? Oh, il y a des bouchons encore. Oh, je suis sûre que c'est les deux bateaux de Valencia qui la bouchent tout. J'en suis à peu près sûre. Ok. Ah non, c'est Tarako. Mais qu'est-ce qu'il fout, Tarako? Ah, il me livre les pierres. Et là, c'est Valencia. Oh, punaise. C'est dingue, hein. Autour du... Oh putain, est-ce que je l'ai pas oublié? Il... Oh! Oh! Je l'ai mis là! Mais je l'ai pas mis là! Vite! Et puis là, le fait que les bateaux soient bloqués, bah ça... Voilà! J'ai pas d'autre explication! J'ai pas d'autre explication. Et le réfectoire, par contre, ils mangent, hein, les soldats. Ils sont affamés. Ils sont très affamés. Allez, bougez-vous. Ouais, il en faudrait un troisième, mais le problème, c'est que je serais obligé de virer d'autres quais, et ça, je peux pas me le permettre. Il n'y a pas la place, en fait. Il n'y a pas la place d'en mettre un troisième. Parce que c'est énorme comme bâtiment.
Il y aurait la place d'en mettre là. Désolé, là on va devoir virer. On va attendre déjà que ces fermes-là se vident. Alors déjà, si je coupe la route, ça va pas le faire. On va réorganiser cette partie-là. Pouvoir mettre un autre dock ici. Et ils vont devoir faire tout le tour. Oh, ils sont où mes charrettes là? Dépêchez-vous de revenir. Merci. Mais moi j'ai besoin que vous me supprimiez le dernier là. Dans le coup. Je veux qu'on supprime celle-là pour pouvoir mettre un autre dock, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Pause. Lui. Je ne puis le concevoir. On va y arriver. Hein. Ça sert vachement à quelque chose. Eh ben tant pis. Pas le choix. On est obligé de faire comme ça. Je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Advienne que pourra. J'aurais peut-être dû faire une route là, comme ça. Mais ça aurait gêné. Ça aurait gêné. Et là, c'est quoi? Ok. Qui est là? Non. Valencien les accepte ici, mais pas Tarako. De même que... On refuse Valencien ici. Voilà, vous échangez vos places. S'il vous plaît. Il est... Ouais, c'est bon. Et du coup, il se barre. Mais qu'est-ce qu'ils sont chiants. Je suis impatient d'arriver. J'aime faire mes affaires ici. Bon, est-ce qu'on a de l'argile? Oui. C'est bon, ça avance là cette histoire? Ah, il faut du béton maintenant. Eh ben on arrête d'importer la pierre.
arrêtons. Maintenant, il faut qu'on importe du sable. Le sable ici. Et puis on va mettre notre petite bétonnière à côté. La bétonnière. Là. Bon, culture, ça augmente timidement, mais ça augmente. Les dieux. Continuons à faire la teuf. Bah non, Neptune, non, non, merde. Oh. Je voulais faire Mercure. Ouais. Et je te propose qu'on fasse ça la prochaine fois parce que là, j'ai les neurones Griax. Mais étrangement, le vin a l'air bien autorisé ici. Bah, est-ce que ça... Franchement, je me pose la question. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de tenter plutôt de mettre des maisons à l'intérieur dans ce quartier-là? Là. J'ai envie de refaire un test parce que là, ça se passe beaucoup mieux. Maintenant qu'on a mis des maisons à l'intérieur du carré et tous les services à l'extérieur, en fait. Après, je suis en train de me poser de sérieuses questions, hein. Ah bah ouais, là, ça rapporte bien. Hein. Donc ouais. On a arrêté d'exporter la poterie, rassurez-moi. Mais on a arrêté de l'exporter. Ou alors faut qu'on en produise tellement qu'on ne puisse plus rien nous dire. Donc ça voudrait dire qu'en fait dès le début, pour éventuellement aider à la prospérité, bah, il aurait fallu qu'on fasse des temples en fait. Mais là je crois que ça vient de diminuer là. Prospérité est en hausse. Bon, la culture est toujours autour aux fraises. Mais parce qu'il y a pas assez. Quoi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder et reprendre une prochaine fois, je dirais peut-être demain. Peut-être. C'est pas sûr. C'est pas certain. Donc team replay, ouais, ça va être lourd. Ça va être lourdingue. Hop, voilà. Ça va être terrible. Oh, faut d'autres divinités. Faut d'autres divinités. T'inquiète pas, je t'en donne d'autres. Là. On va pas oublier Vénus. Pourquoi j'ai fait ça? En fait, j'étais pas sûr à chaque fois. Voilà. Êtes-vous content? Bon. Sur ce, je sauvegarde une dernière fois. Je lis la... ce que dit Groover. Je suis ça sur Dawson, c'est le temple monumental qui agit sur les maisons. Il mettait des villas autour du temple. On va faire ça. Limite, on va faire ça. On va mettre des temples monumentaux, puis on va construire tous les quartiers autour. Mais on fera ça la prochaine fois. Je serai un poil plus reposée.